dans ma maison de poupée, par la pièce de mon compatriote Henrik Ibsen, on rencontre une Nora qui vit dans un monde de marionnettes et d'illusions, qui se rend compte que le monde n'est pas ce qu'elle pensait, que les personnes qu'elle croyait connaître sont des étrangères et qu'elle ne sait plus qui elle est. Une Nora qui manipule et ment et vit dans une illusion qui petit à petit se remplit avec des angoisses et des araignées. Et une maison de poupée, ça joue au Sablier, Centre National de la Marionnette, à IF, en collaboration avec la Comédie de Caen, les 20 et 21 novembre, ainsi qu'au Trident, Scène Nationale de Cherbourg, les 28 et 29 novembre. Et si vous aimez les bonnes histoires, à une soudaine envie de perdre le regard sur l'horizon lointain, aller sous la surface des choses où les monstres marins et les mystères de la vie se cachent, pourquoi pas aussi venir voir mon autre spectacle Moby Dick à partir du roman de Herman Melville, où une grande équipe d'acteurs, marionnettistes, techniciens, musiciens ainsi qu'une trentaine de marionnettes, dont une baleine taille baleine, vous amène dans un voyage singulier qui vous laisserait avec un petit mal de mer et la tête pleine d'images et une certaine joie d'être un humain. Moby Dick joue au Havre, au Volcan, Scène Nationale, le 22 et 23 novembre.